cucu, on se retrouve le lendemain. Oui. Je viens, oula, je viens de me maquiller. Attendez, je ressemble à rien du tout comme d'habitude. Là, je me suis attaché les cheveux, hein, parce qu'en fait, mes cheveux commencent à être dégueux. Et j'attends, entre guillemets, le dernier moment pour les laver, puisque je veux qu'ils soient propres pour le 24. Même s'il faut que j'attende encore quelques jours, bah c'est pas grave. Ça se voit pas en... Alors, je me suis maquillée léger et je dirais chargée au niveau de la bouche parce que j'avais trop envie de refaire une bouche avec ce rouge à lèvres. Donc c'est celui-ci, on voit rien, de chez Too Faced. C'est le Gingerbread Man. C'est l'un de mes préférés en rouge à lèvres. Déjà, il sent bon et il est trop beau. C'était la première fois que j'avais un rouge à lèvres de cette couleur. C'est couleur vraiment pain d'épices. J'aime trop ce rouge à lèvres. Le Gingerbread Girl qui est... Ah, j'ai failli l'accent. Plus foncé. Vous voyez que là, je recommence... j'aimerais recommencer à sortir les rouges à lèvres parce que là, j'en mets plus beaucoup. En plus, bah, y a le masque et tout. Moi, des fois, j'ai un peu la flemme de me maquiller. Et là, en fait, vu que j'ai une idée un petit peu dans ma tête pour les fêtes, je me maquille pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait juste un trait d'eyeliner et j'ai juste mis des paillettes que j'avais achetées il y a un moment. C'est un truc, c'est un produit coréen. Oui, allez, Elise. Si, attendez, je vous fais voir ceci. C'est ça. C'est la marque... je sais pas. C'est marqué Glitter Eyes. Ah si, c'est vrai. C'est la marque Inuet. Alors, je sais pas si vous allez le voir. C'est écrit ici sur le bouchon. Et franchement, j'aime bien. En plus, ça tient bien et ça brille de mille feux. Et en anti-cerne, j'ai mis celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai rien mis sur ma tronche. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de correcteur ni rien. Sur le front, j'ai rien non plus. J'ai juste mis de l'anti-cerne. C'est celui-ci de Make Up Revolution. Franchement, il est n'importe quoi de Max & More qui vient d'Action. Il est vraiment très très bien, cet anti-cerne. En fait, j'ai des petits trucs à faire. Je vais pas le dire là parce que si au cas on regarde mes vlogmas. Gros, j'avais fait des petits trucs et il me faut des trucs pour finaliser des cadeaux. Cadeaux, j'ai pas besoin d'en acheter, j'en ai. J'ai 3 rouleaux. Ah non, j'en ai 4. Ouais, 2 rouleaux qui se ressemblent et. Bon, en gros, 3 rouleaux neufs. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire on va faire des mini-courses en gros. Donc pour André. Tout ça et tout ça. En fait, j'ai une idée dans la tête et je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Donc, bien évidemment, je l'incorporerai dans les vlogmas. C'est dans géant. Je suis en train de chercher pour des cadres. J'en trouve pas. Et là, j'ai vu des petites décos de Noël. Ça m'énerve parce que bon, c'est bientôt entre guillemets la fin, même si c'est pas encore le 24. Et ça me saoule parce que ben, y a des trucs trop beaux quoi. Regardez. Ça, c'est pas très cher. C'est des petites pommes de pin pour le sapin. Je les ai vues trop tard. Non, je les aurais achetées. Mais là c'est bon. Ah oui d'ailleurs, petite information, j'avais acheté un stylo comme ça. Bah il fonctionne déjà plus. Trop triste. Ça me saoule. Pas triste, peut-être pas charrié. Donc là en fait je voulais des petits stickers. Ah bah voilà. C'est combien? C'est pour vous mettre sur les cadeaux. Je pense que je vais prendre ça. Parce qu'il y en a quand même 90. C'est 2,50€. C'est pas si cher que ça, ça va encore. Ça va, il y en a des beaux, c'est pour écrire les prénoms. Je trouve ça bien. Plein de trucs. Ça passe trop vite. Je pense que c'est... Putain, il y avait tout. Vous voyez ici, ils ont tout remis les trucs. Il n'y avait que de la déco de Noël. Et là, il n'y a presque y a plus rien. Pratiquement. Il y a encore des petits trucs, mais ils ont mis les serviettes. Je viens de m'en rappeler qu'avant, il y avait la déco là. Ils ont mis un peu en fin de rayon. Regardez ce genre de truc. Ça c'est bien ça pour mettre dans les sapins. Je les ai vus trop tard, ça me saoule. Vous voyez, je serais capable d'acheter plein de trucs comme ça pour l'année prochaine. Mais je me dis que ça sert à rien. Je préfère pas prévoir.
Heureux cucu tout le monde. J'espère que ça va toujours pour vous. Ça a pelé. Alors, je suis en train de faire des cookies. Oui, en fait, à chaque fois, je vous dis que je fais des cookies, mais je ne vous fais jamais voir les ingrédients ou la recette. Pourquoi? Parce que j'en fais plusieurs. Je voulais tester une recette. Alors, attendez, si je ne me trompe pas, c'est de Cyril Lignac. J'espère que c'est de lui. Oui, voilà, Cyril Lignac. Nanana. Donc, il faut 300 g de farine, un œuf, 120 g de sucre, cassonade, 120 g de sucre normal, 175 g de beurre, pommade, du sel, une pincée, un demi sachet de levure chimique et du chocolat, 200 g. Voilà, écoutez, la pâte est plutôt belle. Voilà, j'ai enfourné une fournée. Voilà, mon four est dégueu, je suis navrée. Hein. Contente. En fait, j'avais acheté un truc pour faire une vidéo et c'était un petit temps et là, c'est le moment et je veux le tester. Donc, il faut que je fasse une vidéo spéciale parce que tout le monde en parle de certaines marques, mais on parle pas d'autres marques plutôt un peu moins chères. Donc, j'ai trop envie de le faire en vidéo. Comme ça, bah, vous aurez peut-être une alternative moins chère plutôt que d'acheter plus cher sur des sites. Alors, attention, les marques sont peut-être très bien parce qu'elles sont bien réputées. Mais moi, j'ai trop envie de le faire. Donc, je vais le faire en façon vlog. Donc, bah, je vais la filmer là et puis bah, c'est parti mon kiki. Bah, vous le verrez pas. Parce que je vais la tester, mais voilà, je suis trop pressée de faire la vidéo et de tester ça, parce que si je peux vous faire des économies, c'est merveilleux. Re-cucu, donc il est 22h35, je sais plus du tout quand est-ce que j'ai filmé, André boit de l'eau. Je sais plus quand est-ce que j'ai filmé, mais en gros j'ai filmé en train d'emballer un cadeau, et après ça, on a été chez... on a été vite fait chez... Oh, pourquoi je dis vite fait? On a été chez ma mère et mon beau-père, voilà. Donc on est allé avec Max et tout, c'était cool. Voilà, on a bien rigolé. Et bah là, on vient de rentrer, tout juste. Et j'avais complètement oublié le vlog, vraiment. Donc bah, je vais le terminer là. Donc là, je filme avec l'ordi, je suis navrée de la qualité. Et bah, c'est tout. C'est tout. En fait, à la base... on devait juste prendre l'apéritif et tout. Et rentrer pas trop tard parce que... Oh pardon, Minette. Parce que ma mère travaille le lendemain. Et bah, bien évidemment, bon, on parle. Puis ils avaient un invité à eux. Enfin, un ami à eux plutôt. Et de ce coup-là, bah, on a parlé et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, de ce coup-là, bah... Je voulais faire... Enfin, je voulais préparer un truc à manger avec vous dans le vlog. Et de ce coup-là, ben, on n'a pas pu. Donc, on n'a même pas mangé ce soir. Bon, c'est pas très grave, vous allez me dire. Mais moi, j'ai vite fait faim. Enfin, je crois. En fait, la vie, c'est pas. Bah, écoutez, je vais arrêter le vlog là. Et bah, je vous reprends demain pour la suite. Et voilà. Donc, je vous fais de très, très gros bisous. À demain.